Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous 2.2. Quelque chose d'autre que 0.0, enfin que 0.1, puisque normalement j'ai reçu une mise à jour il n'y a pas longtemps. Donc on va reprendre les ROS, je vais changer de système, je suis maintenant dans le système Pipavonis, un système que l'on m'a conseillé donc pour ce qui est de tout ce qui est Empire, Fédération, Argent, Réputation, Rang. Donc voilà. Je vais quand même avant tout faire un petit peu de ROS. Pourquoi ? Je me suis rendu compte en rendant mes primes de ROS que j'augmentais ma réputation avec le système entier. Donc c'est assez cool. C'est assez cool. En tout cas, au moins avec le système qui gère. Enfin, avec la faction qui gère le système. Donc ça, c'est. Enfin, en tout cas, la station. Ça, c'est vraiment très très intéressant. Ça permet de donner un petit peu plus d'action dans les épisodes en ce moment. Tout en faisant ce qu'il faut pour ce système. Donc voilà, ça peut être à mon avis pas trop mal. Et on verra donc au niveau de l'écuyer 13% si oui ou non effectivement ça change quelque chose ou pas. Je pense que ça va être plus simple comme ça. Hop, on va attendre un petit peu. On booste, c'est bon. Je mets tout en moyen pour l'instant. On verra quand on va arriver. Il y a aussi une zone de conflit, mais j'ai pas envie de tenter la zone de conflit tout seul, puisque ce sont deux zones de conflit d'ailleurs, de haute intensité. Donc je préfère éviter un petit peu trop de risques. Il faudrait peut-être plutôt faire ça en wing, chose qui pourrait arriver donc dans un live le week-end. Voilà. Alors, bon. Aujourd'hui j'ai deux vidéos à tourner d'Elite Dangerous, donc ça va être cool. Ça va être très très cool. On verra juste si, oui ou non, bah je vais trouver des choses intéressantes et si ça va véritablement augmenter mes stats. Je n'ai toujours pas de nouvelles du OTAS qui est censé arriver donc assez rapidement. Hein. Maintenant, pour moi, nous sommes le 15, je crois, le 15 novembre. J'ai plus qu'un mois donc pour faire la vidéo, la sortir, si jamais il était arrivé maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, je suis censé faire la vidéo pour maximum à la mi-décembre, mais je pensais l'avoir reçue avant la mi-novembre, quoi, à vrai dire. Là, ça risque d'être un petit peu short. Je verrai si. De toute façon, je vous préviendrai si je dois faire un. Si je vais faire la vidéo, donc du coup, si. Comme je me suis engagé à faire la vidéo avant la mi-décembre, je ferai en sorte de la voir. Quitte à ce que des jours vous ayez que une ou deux vidéos par jour, le 3 ou n'importe quoi comme ça, on verra. Mais normalement, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Au pire des cas, je prendrai le temps de la faire un week-end. À la place d'un live, imaginons. On verra. On n'y est pas encore, donc on verra. Mais oui, c'est un peu dommage que je ne l'ai pas reçu. Pour ce qui est du Discord, ça va venir, chers amis. Je cherche toujours des gens, donc si vous avez des compétences en Discord, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Pour ce qui est des heures de vidéo, je vais m'améliorer aussi. Là, il est 15h30, c'est ça à peu près, hein. Ça fait, ouais, ça fait à peu près 1h30 que... Ouais, c'est 15h15. Ça fait 1h12. Ça fait 1h15 du coup que je cherche des missions dans plusieurs systèmes. J'ai pas trouvé trop ce que je voulais. Donc le temps que je vienne ici, etc, etc, etc. Et finalement, j'ai trouvé ce que je cherchais. J'allume les phares quand même, sait-on jamais. Ça, on va être bien éclairé pour le moment là. Ça devrait bien se passer. Hop, allons-y. En tout cas, je dois vous avouer que j'ai hâte d'avoir le OTAS sous la main. Hop. Rien que pour l'immersion, ça va être épique. Hop. Non, il a l'air particulier ce RES. C'est de la glace? Ça doit être de la glace, je pense que ça va être de la glace. Si c'est le cas, ah non, c'est pas de la glace, même pas. Ah bah attends, le coin ne vaut plus rien, je rentre au bercail. Ah, ah, c'est pas bon signe ça, si? Ah. Ah bah alors. Y'a plus personne, Gaston? Gaston, y'a le téléphone qui sent. Mais y'a jamais personne qui est répand. Merde, c'est con. Guetteur du gang de Kumo. Souvent, ça, c'est des gens recherchés. Tiens donc. Vaut mieux que je sois le premier à tirer, à mon avis, pour le coup, là. Hop. Hop. Ok. Raté. Dommage.
Boum, celui-là il l'a senti passer à mon avis. J'aimerais bien. Voilà, récupérer un peu de bouclier. Par contre, il est tenace lui. Hop. Je dois être aidé par les autorités à mon avis au passage. Ce qui est assez cool de leur part. Hop. Celui-là, il est bon. L'autre. C'est celui-là qui m'agresse aussi. Mais je ne le vois pas. Je le trouve, je le cherche, mais je le vois pas. Le voilà. Hop. Apparemment, il y a des gens qui sont bien plus compétents que moi. Ok. Bon, un petit peu de crédit supplémentaire, ça c'est bon. On a un anaconda dans le coin. Ça peut être rigolo. Oula, ils se font déjà attaquer en plus dans le coin. C'est l'agent fédéral qui se fait défoncer? Ah. Bon, si vous le dites. Fer de lance. Il est où? C'est qui ça? Bouclier de Torval. Oui, ils sont gentils la plus... Oh merde. Service de sécurité interne expert, analyse. Comment ça se fait que... Ah, l'anaconda est recherché maintenant. On va essayer de viser son... générateur, voilà. Boum. Hop. Ah, quel dommage. Quoi, 800? 600 crédits pour un anaconda, c'est triste. Imperial Eagle, on va aller voir ça aussi. Un bleu. Oh, ça peut être rigolo. Ça va me faire quelques crédits en plus, quoi. Avec un peu de bol, il va me rapporter un peu plus que le... Comment que ça s'appelle, que le... merde, c'est pas ça que je voulais viser. Cobra MK4. Il est où celui-là? 5000 crédits, il va rapporter plus que l'anaconda pété. C'est cool. C'est parce qu'à mon avis, c'était une erreur. C'était un mauvais tir que nous a fait le... Alors, bonjour monsieur le hader qui m'attaque. Il paraît que vous essayez de faire des choses. Ah bah j'ai même pas le temps. Bah c'est bien, ça me fait des crédits moi perso, hein, je vais pas me plaindre. Hein. Par contre mes boucliers mettent 30 ans à remonter, c'est chiant. Toi tu t'en vas ou qu'est-ce que tu fais? Rechercher, ça tombe bien. Moi aussi je te cherche. Oh ça touche. Oh ça touche. Par contre là face à un MK4, on a quand même un vaisseau qui est orienté combat. Hein. Je dirais pas qu'il est spécialisé combat, mais orienté combat. Donc attention quand même, sait-on jamais. En même temps, il a pas l'air très très dynamique, le pauvre homme. Voilà. Et c'est fini. ...31 000 crédits de plus, c'est cool. Est-ce qu'on a autre chose? L'SP Scout qui est ici. Où est-ce qu'il est? Il est là, hop. On va aller voir. Oula, ça tire wide par là. Phil Murray, je ne suis copain qu'avec Bill, désolé. Alors, le header, là, qu'est-ce qu'il nous fait? Toi, tu es clairement recherché. Hop, on va t'arrêter tout de suite parce que là, ça va pas. Ce que tu fais, là, c'est pas bien. Vaut mieux que tu rentres chez toi, ça vaut mieux. Voilà. Hop. Bon, bah, y a plus grand-chose à récupérer là-dedans. Ça, c'est des gentils.
Ça, c'est des gentils. Normalement. Il n'y a plus beaucoup de méchants, effectivement. En tout cas, ils sont jolis dans leur vaisseau. C'est une ombre ou... Non, c'est une ombre. Je crois que c'était un trou dedans. Je suis en train de me dire, wouhou, on va faire une connerie, là. Ok, bon. Du coup. Je vois des mineurs, là-bas. Steve! Steve, pourquoi es-tu un casier vierge? C'est pas bien, Steve. Moi, c'est pas ça que je cherche, Steve. Diamondback Explorer, bonjour. Casier vierge, quel dommage. Hop. Quel dommage. Y a pas des combats quelque part? Ça pourrait être rigolo. Alors pour l'instant j'ai pas récupéré tout ça, hein, parce que ça me tente pas plus que ça de les récupérer. C'est pas très très drôle. Viper MK4. Ah, 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 ah. Là on tombe sur quelque chose d'intéressant. La tiroir est là-bas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Stefano Castelli. Ah merde. Il a déjà explosé. Parce que c'est intéressant, c'est un anaconda. Mais je crois que j'aurais pas le droit d'y toucher non plus. On va rester avec les flics, je pense, hein, ça va être bien. On va faire la ronde. Je pense que ça va être une bonne idée. T9. Il est rare qu'un T9 soit... soit recherché, cela dit. Ah! Là, ça se frite. Où est-ce qu'il est? Littlefinger. Non? Merde, vous l'avez pas encore pété déjà! Mais merde! Je vois des choses et je peux plus les voir. J'ai vu Paul Seren un instant. Pour ceux qui voient la référence. J'ai même pas le temps de les voir qui sont déjà morts. À peine vu, à peine tué. Ce sera le nom de l'épisode. Ou ce sera Anaconda, mais j'en ai toujours pas. C'est vrai qu'il est joli l'Anaconda comme vaisseau, n'empêche. J'aime beaucoup. Alors s'ils vont par là, en plus ils ont l'air d'aller assez vite. Je veux voir le pour Littlefinger. Non bah non, c'est pas celui-là. Wow, désolé. Désolé, désolé, j'ai... Oh oui, fonce dedans. Non, quel dommage. Hop. Qu'est-ce qu'on fait? On se met en... On se gare? Vous voulez qu'on se gare? Cobra MK3. Il doit être normal parce qu'il est pas encore... Il se fait pas encore tirer dessus. Ah merde, non, il est pas normal. Boum! M'attendais pas à ça! Je m'attendais pas à ça! Je m'attendais pas à toi! Dans ce rôle-là! Eh oui, je t'ai niqué. Alors, Bretter de Spet. Es-tu méchant ou es-tu gentil? Hop. Oh merde, il s'enfuit. Salaud. Salaud, salaud. Ah, 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 sa manœuvre dure. Sa manœuvre dure en direction de du Hader.
qui va donc forcément se faire poutrer. Allez, on le vise. Voilà. Je l'ai raté, quel dommage. Bon, c'est pas grave. Hop. Ah, je l'ai encore raté, quel dommage. Bon, c'est pas grave, il est mort. Rect revient plus tard. Bon, c'est que des petits vaisseaux, cela dit. Hein. 7000 par 7000. Là, je fais combien de... À peine 100 000. En même temps, il y a tellement de gros vaisseaux avec moi que je me demande vraiment à quoi ça rime. Mais non, je touche pas. Qui es-tu? Service sécurité interne. Oh merde, encore? Mais on est déjà trop nombreux! Pensez pas qu'on est déjà trop nombreux! Ah, j'ai des données d'analyse chiffrées. Ah merde! Ça se frite! Ça se frite et je loupe ça! J'ai tout loupé. Y'a plus de tir. Antagoniste! Antagoniste, où es-tu? Antagoniste! Non, Cid Taylorian. Coucou, Cid! Ok, je la referai pas, désolé. Ouh. Hop. Little finger. Oula. Hop. Bon alors. Qu'est-ce qu'on a? On a plus rien. Ah, on a un Sidewinder qui est arrivé. Peut-être qu'il n'est pas arrivé tout seul. Ce serait vraiment cool. Dommage. Effectivement, il n'est pas arrivé tout seul, mais c'est pas intéressant. Bon. Bah, je pense que dans le prochain, on tentera le Dangerous. Parce que ça s'appelle pas Elite Dangerous pour rien, merde! Bretor! Bretor trousse. Enfin. Bretor tupette. Pourquoi fais-tu cela, mon ami? Petit Bretor, on est trop nombreux sur ta tronche, par contre, petit Bretor. Hein. Je suis désolé d'avoir à te le dire comme ça, mais tu es mort. Bon. On a un Viper MK3 ici. Ça peut être intéressant. Il est derrière nous, donc je doute qu'il soit véritablement vilain. Ah bah, de toute façon, il s'est barré. Ah non, le revoilà. Calma. Est-il aussi calme qu'il veut le faire entendre? J'en ai pas l'impression, il s'attendait pas à ça lui non plus. Hop, parfait, merci de revenir plus tard. Ça fait toujours quelques crédits en plus. On trouve quand même pas grand chose de très très gros, hein. C'est un peu dommage. Hop. Hop. Ah, il a vu quelque chose d'offensif lui arriver sur la tronche. Un piton. Boum. Ça fait mal. Par contre, c'est que ça fait pas assez de... Ah, quoi que, attendez. Bon, mes canons vont faire... On se fait quand même beaucoup... On nous parle un peu, là, énormément. Apparemment, il y a personne autour de nous qui soit véritablement... Ok. Bon. Je suis un peu déçu. Je veux bien l'admettre.
Et si on passait à la dangereuse tout de suite? Enfin, à la riche. Hop, c'est par où? C'est par là. Hop. On quitte le champ gravitationnel et on part à la riche tout de suite. On verra bien. On verra bien. Hop. Alors. C'est parti. Ça devrait pas être très très loin de toute façon, hein. On va bien voir, on va bien voir. Moi ça me plaît. Ça m'intéresse, je veux savoir. Je veux savoir. Montre-les-moi ces étrangers qu'ils veulent qui se disparaissent à moi. C'est pas ça les paroles? Si, c'est ça les paroles en plus. Bah ça, peut-être, c'est peut-être pas dans l'ordre par contre, hein. Ah là là, Tarzan. Oula, ah c'est mieux. Ah c'est très disparate, je vais dire. Donc, il doit y avoir des gens dans le coin. Bonjour, Diamond. Ah oh, bah merde, il y avait un truc intéressant. Ah oh, bah merde, Diamond. Bah. Mais vous me l'avez fait deux fois de suite, c'est pas rigolo. Un V1, il est létal par contre. C'est peut-être pas la meilleure des idées que j'ai eues. Ah, il se fait attaquer, c'est mieux. Hop. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est là! Boum. Bonjour. Boum. Oh le pauvre. Il prend tellement cher. Ah, je prends des dégâts. Il s'est dit, tiens, je vais focus le joueur. Et il me fait vachement mal en plus, hein. Hop, les un petit peu plus de crédit cette fois-ci. Nous avons un autre python dans le coin. Ça tombe bien. Bouclier de Torval. Andros. Andros, Andros. La force du fruit. Andros. Andros n'est pas tout seul. Andros n'est pas tout seul. Et ça me fout les boules. Eh merde, plus de bouclier. Andros n'était pas tout seul. Donc, ça va être la fuite. Pourquoi il sink? Bah c'est parce que oui, d'accord, oui. Target shield offline. Attendez. J'aurais peut-être été plus courageux que prévu. C'est pas lui qui m'embête. Bon. Si je peux ramener l'autre trou du cul qui est dans mon dos. Hop, merci. Hop. Meurs. Voilà. Bon, on a récupéré ça. Je garde tout en truc. Enfin, en machin, là, on attend un petit peu. Est-ce qu'ils m'ont pété des modules? Ou est-ce que c'était uniquement de la coque qui est passée? C'est uniquement la coque qui est passée. C'est qui m'analyse? Ça doit être les flics. Non, c'est pas les flics. Novena. Ouf, ça va. Je devrais pouvoir gérer le cobra.
C'est bête parce que dans quelques secondes, je vais avoir du bouclier. Hop, et là j'en récupère un peu plus. Si ça ne te dérange pas. Putain, ils me font mal. Regardez mes boucliers descendre. Oh la vache! Alors là, ça se voit pas. Mais en vrai, j'avais un truc. Je me fais violenter. Tout seul, c'est même pas la peine. Tout seul, c'est même pas la peine. Regardez ça, regardez le nombre de tirs que je me prends. Ça y est. Wouh! Eh ben, dis donc, c'est dur, hein. C'est très très dur. Donc cet endroit-là, c'est pas la peine. Y a-t-il une station pas loin? Oui, juste ici. Ok, cool. Le riche, c'est... Oh! C'est incroyable. Waouh! On prend... Alors le pauvre, en fait, faudrait un juste milieu. Normalement, on a pauvre, riche et dangereux, mais riche en lui-même est déjà extrêmement difficile. Pourtant, j'ai un vaisseau de compète, hein. J'ai pas le petit vaisseau à 10 millions, hein. Oh la vache. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Alors, est-ce que finalement, avoir un vaisseau avec les multipilotes, enfin vous savez comment le multicrew intégré dans la 2.2, changerait quelque chose ici? Quels sont les vaisseaux qui prennent le multicrew? Il y a le Clipper de mémoire, mais le Clipper c'est rang 12. Ou rang 7, non, si, non, si, c'est rang 12. Faudrait que je vois quels sont exactement les vaisseaux qui le font. Hop, attendez. C'est une vidéo, ça ne m'intéresse donc pas. Je l'ai pas passé, si? Non, non, pas encore. Je suis bientôt, par contre. Si ça continue, si je l'ai sans doute passé, non? Je ne sais pas. Killback, Federal Gunship, Corvette, Cutter, Anaconda. Fouah, faudrait que je passe sur un Anaconda. Ça coûte cher un Anaconda. Ça coûte 150 millions de mémoire. Plus le fitting. Si vous avez des feeds d'Anaconda, passez-les moi, hein, je serais ravi de les avoir. Alors j'ai entendu dire que certains utilisaient l'Anaconda comme un vaisseau de transport de personnes. Est-ce que ça marche aussi? Ça pourrait être un objectif, disons, un objectif médian, on va dire, un objectif primaire, si je puis dire. Quelque chose qui soit avant la suite, vu que de toute façon c'est une catégorie encore au-dessus, hein, de vaisseau. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous voulez, ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des feeds pour Anaconda, je suis preneur aussi, hein, encore une fois. Et s'il faut qu'on aille farmer, on m'a donné un endroit où je peux normalement farmer les millions par grande quantité, on va dire. Par grande. Donc n'hésitez pas à me donner tout ça dans les commentaires. Moi, je serais ravi en tout cas de pouvoir vous lire, de pouvoir vous répondre si vous avez des questions. Comme par exemple Heisenberg qui m'a demandé où est-ce qu'on pouvait trouver des manipulateurs chimiques. Je lui ai dit que normalement, on en trouve sur les vaisseaux de transport. Donc je lui ai conseillé d'aller dans un RES avec plein de vaisseaux de transport, donc grâce au minage. Et de en profiter tout simplement pour
en prendre un anarchique et pour les attaquer de façon de manière legit, si je puis dire. Hop. Après, je serais pas étonné aussi qu'ils puissent aller tout simplement dans une dans un système anarchique sur une voie commerciale et justement profiter à max de. Je vois pas le mien, donc il doit être assez proche. Voilà, je m'en doutais. Hop. Hop. Oh bah dis donc. Oh bah dis donc. Bon, c'est pas grave. Ok. Donc voilà. Eh bien écoutez, chers amis, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures dans Elite Dangerous. Salut les gens. Hey yo!